Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Super Beyondis pour la suite des aventures de cette pauvre Lara Croft qui s'en prend plein la tronche depuis le début du jeu. Donc on venait de quitter les bidonvilles, pour moi il y a 10 minutes, pour vous il y a peut-être un jour ou deux. Alors j'ai stabilisé ma caméra, heureusement j'ai regardé la vidéo avant, enfin début de vidéo, et heureusement ma caméra n'a glissé que sur la fin. Donc c'est la dernière minute de la vidéo précédente que la caméra a glissé, donc c'est déjà un coup de chance, heureusement. Alors je tenais à dire, voilà, par rapport à ce que je disais, parce qu'en regardant un petit peu la vidéo, je me suis entendu un petit peu rager, comme ça. Mais en fait, ce qui m'énerve un petit peu dans ce jeu, c'est de, bon, il y a un côté linéaire forcément, mais ça me fait penser au Resident Evil... Merde, qu'est-ce qui se passe? Il va quand y avoir des mecs. Bon, on va changer. Et ce qui m'énerve un petit peu dans ce jeu, c'est... ça me fait penser au Resident Evil 5. Quoi. Il se passe rien, puis poum, tout d'un coup, on avance. Et on tombe sur... Voilà, ça, vous voyez, ça déjà, c'est un truc énervant. Voilà, le... Les bugs de vision à la con, alors quand vous êtes en train de vous battre, c'est génial, quoi. Hein, vous voyez. Genre de truc bien merdique. Franchement, ça c'est super mal fait. Mais par rapport au Resident Evil 5, je dirais, il se passe rien, puis vous faites un... Vous tirez un levier, vous poussez un bouton. Et il y a 50 mecs fous furieux qui vous tombent sur la gueule. Et ça, ça me gave prodigieusement, je ne vous le cache pas. Et alors, il y a le système de rotation aussi, quand on vise des fois, et qu'il y a des adversaires, tout d'un coup, elles se tournent au ralenti. Il y a sûrement des trucs à trouver. Je regarde comment on pourrait passer. Je vois un arbre bien spécifique, donc on va aller jeter un petit coup. On va aller jeter un petit coup d'œil. Grimper sur l'arbre? Non. Merde. Ah bah merde, c'était le bon chemin. Con. Donc, il y a un système de rotation ralenti qui est vraiment très, très désagréable. Quand elle fait une rotation, c'est un peu chiant. D'accord, heureusement que je viens voir ici. Et alors, je trouve que sur la résistance des adversaires, quoi, c'est vraiment énervant. Ah, à chaque fois que je cause, il faut qu'il y ait un document avec... Ma patience est enfin récompensée. Ma troupe de fidèles lieutenants, les exterminateurs, est enfin constituée. Les tempêtes m'ont apporté exactement les hommes qu'il me fallait pour bâtir la confrérie des Solaris. Des hommes forts, mais dociles. Ils ont été brisés par les tempêtes. Ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la reine solaire. Elle me montre la voie. Elle m'a toujours montré la voie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solaris doit s'agrandir. Nous recruterons autant d'hommes que possible. J'instaurerai des lois et ils travailleront pour la reine solaire pendant que je chercherai la clé. D'accord. Bon, maintenant, tu la fermes. Donc, je reprends ce que je disais. En même temps, donc, le truc qui, aussi, qui me gêne par rapport à ça, c'est qu'on utilise des flèches ou qu'on utilise des balles de pistolet, c'est le même truc. Vous devez utiliser 4 ou 5 flèches pour tuer quelqu'un et 4 ou 5 balles pour tuer aussi quelqu'un. Moi, je trouve ça assez, assez mal fait qu'une balle fasse le même effet qu'une flèche. Alors évidemment, pour ceux qui maîtrisent l'arc, je me doute...
J'ai quoi comme truc? Ouais, ok. Pour ceux qui maîtrisent l'arc, qui savent faire des tirs à la tête, c'est pas un problème. D'accord. Prends ça, tête de con. J'adore. Grim, c'est le vieux qui fout des coups de boule au poisson, je crois. Attendez, parce que je me demande si on peut le démolir, ce truc. Non, je crois pas. Dites-moi dans les commentaires si on peut cramer. Vas-y. Allez, m'énerve pas. Bon, ben, j'ai cramé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Hein, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'était. Merde, je suis plein. Bon, je suppose qu'il va encore y avoir 10 000 mecs, c'est ça? Attendez, parce que je ne comprends pas trop, là, il y a sûrement un truc à faire, mais je ne sais pas quoi. Et en plus, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, depuis que j'améliore mes armes, j'ai pas vraiment l'impression de sentir une amélioration, quoi, depuis le début du jeu. On ne sent pas vraiment la différence sur les améliorations des armes, mais ça c'est assez bizarre. Il y a un truc pour s'approcher, mais quoi? J'ai entendu gueuler, mais je sais pas où. Hein? Quoi? Que quoi? Ramène tes fesses par ici. Ah, ta gueule! Ça va, ouais. Tu n'as pas l'échelle, hein? Allez, grimpe, ma fille. Ah, t'es là, toi! Allez, bouge-toi. Ramène tes fesses par ici. Mais engueule-moi tant qu'il y est, espèce de. Il est génial, ce mec, je l'adore. Il faut qu'on aille aider les autres. Oui, ben ça va, je fouille, nom de Dieu, quel emmerdeur. Je l'adore, mais il m'énerve. Liquide-la! Oh non. Aïe, 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 aïe. Waouh! On se calme. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je change d'arme. Je ne suis pas du tout. Aïe! On se calme, hein, gamin. Putain! Mais allez, j'ai pas. C'est reparti pour un tour. Il m'énerve. Putain. Ah voilà, c'est ce que je déteste le plus. Regardez, il se ralentit, il faut qu'elle recharge, évidemment. Hein, ouais. Ah putain, regarde ce ralenti de merde là. Oh putain, mais je peux me tourner. On se calme, on se calme. Il pleut, bergère. Merde. Allez, va te faire foutre. Oh le putain, mais il est plus rapide qu'une balle, quoi. Ah ouais, 2 balles, ça suffit pas. C'est galère. Au secours. Oh mais putain. Il m'emmerde, mes actions. Oh putain, aïe. Et ils sont combien? Au secours. Couvert, elle est armée. Ah, ah, ah. T'en as enfin rendu compte.
Putain! Non, moi la paix avec tes dynamites de merde! Oh là là! Aïe! Toi, tu m'agaces, hein! Oh là, je suis. Je me sens pas bien! Ça a duré longtemps! J'en ai marre. Lara, t'es vivant. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Oui, il n'y a plus d'échelle. Ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Je vais essayer. Putain! Je finissais donc de dire qu'ils sont 50 000 à vous tomber sur la gueule quand au moment où vous y attendez le moins. C'est par là. Ok, donc il faut grimper, merci, ça va, merci, disparaît. Oui, ça aussi, le truc de recherche, c'est bizarre, je trouve. Bon, ben, saute, hein. Allez, on y va. Oh, il y a des téléphériques. D'accord. Saloperie, là. On peut pas le démolir, ça? Non. C'est. Ah, il va faire faute. Merde, il y a un truc pour aller sur le toit, là? Ou pour retourner d'où je viens? Mais il y a des trucs en bas. Aïe. J'ai vu des trucs en bas, moi. Voilà. Donc on refouille, hein. On trifouille, on se refouille. Comme d'habitude, dans ce jeu. Non, mais c'est ouvrir que je veux aller. Mais tu vas te l'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, petit bug. J'étais pas tout à fait en ligne droite. Et hop. Super, je sais plus où je dois aller. Merde. Ouais, c'est par là. Ah! Ah! Putain, dans quoi est-ce que je suis encore tombé, moi? Là, il y a une grille. Ok. Ah. Là, il y a un truc. Pour aller chercher quelque chose, sûrement. Fouillage. Trifouillage et refouillage. Il n'y a rien. Bah, je suis revenu là. Je comprends rien. Je suis revenu à la... C'est la même échelle ou c'est une autre échelle? Ouais, d'accord, ok. Ça va. Oh, vous m'énervez. Non, 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 mais non! Mais ouais, il m'engueule en plus. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Aïe 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 aïe. Celui-là, je suis complètement paumé, mais je reviens de là où j'étais. Qu'est-ce que c'est que ça?
remontez. Putain de bordel, hein. C'est bien de fouiller, mais... C'est par où? C'est par là. Ok. Ouais, je suis désolé. Je l'ai fait un petit peu n'importe quoi, non, dis-tu. Non, allez, mais allez, pousse sur ton X et m'énerve pas. Voilà, merci. Bon, maintenant on va continuer puisque on va se faire reculer. Voilà. Barbelé, machin. Et c'est par où? Ok, c'est par là. Aïe. Je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je fouille, hein, je fouille. On trifouille. Là, j'ai bien escalier, il me semble, hein, si j'ai pas trop merdé. Voilà, hein, des petites pièces cachées comme d'hab. Ah, y a rien. Bah. Ça, c'est con, une pièce qui sert à rien. J'ai une petite pièce cachée, y a rien. D'accord. Ah, écoute, prends-moi pour un con, hein. Bon, je vais grimper longtemps comme ça. Si c'est un vrai. Attendez. Mais. Comment on fait pour aller là? Merde, il y avait sûrement. Ah, il y a un passage par là-bas. Ok, on va essayer de s'en souvenir quand j'y serai. Vers la droite, quoi. Vers la droite. Bon, vers la droite, moi je veux bien, mais. Et attends, je rêve, je suis pas revenu au bidonville quand même. Si... Putain! Je rêve, c'est pas possible. Attendez, je suis revenu au bidonville. Mais c'est par où que je dois aller? Ah, là-bas. Mais enfin, j'ai fait demi-tour. Il se fout de moi, lui. Aïe. Bon, on peut pas par là. Mais c'est quoi ce bordel? Je viens de là. Je vais y retourner longtemps, moi, ce machin. De ma gueule, quoi. Ah, il y a un géocache, tiens. Je crois, au moins, je serais pas retourné là pour rien. 4 géocaches, ok, par là, c'est pas la peine. Elle est où ta putain de nacelle de je sais pas quoi là? Ok. Ah, ouais, je suis encore retourné là. Ça fait deux fois que je retourne. Oui, d'accord, ok, m'énerve pas. Aussi, on va y aller. Non, c'est à chaque fois il me remet à l'envers. Fous-moi, merde, putain. Je suis con, quoi. C'est par où? C'est par là. Oh putain. On dit juste ce truc me casse les pieds. J'arrive. Monte sur ce putain de truc. Voilà, tu me fais pas chier et tu vas là. Bon. Ça fait deux fois, hein. Ouais, maintenant.
C'est par là? Ah, en plus, il y a un coffre. Bah, écoutez, on va aller par là. Hein, merde. Hein, je suis sûr que je suis pas allé. Hein. Cet INRO était probablement utilisé par un chef militaire pour transmettre les ordres officiels. D'accord. Bon, ben, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Ok. Jusque-là, ça va. On prend son petit pistolet, on recharge. Il me semble que j'ai vu. Il n'y a pas un petit coffre ou un truc du style. Ça va bien que j'avais bien vu. Ok. Ça, c'est bon, c'est fait. Par là-bas. Ouais, bah allez, lâche-toi. Oh. Pas dans l'eau si possible. Là on a été, ok. On fait demi-tour. Et on va par là. Quel labyrinthe. Malgré que c'est quand même assez linéaire. Cela dit, c'est ce que je préfère. Hein. Oh là 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 là. Quelle horreur. Pouah, quelle horreur. Quelle horreur. D'accord. Et maintenant, c'est par où? Donc, il faut remonter. Petit bug de collision et on va par où, putain? Ah d'accord. Aïe 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 aïe. Je suis plein, super. Non, je le sens pas ce truc là. Bon. La fille est là. Faites de je sais pas quoi. Quoi? Attendez, il y a un truc là. Maintenant j'écoute, hein, je regarde si je vois quelque chose. Non. Je vois rien pour l'instant. Putain, il était où? Ah, les enfants, putain, mais putain, je sais même pas où ils sont. Ben oui, 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 ben merci, quoi, allez, tirez plus vite. J'ai même pas vu où ils étaient. Le temps de les voir. Putain, c'est ce que je déteste dans ce jeu, je ne m'y ferai pas. Je crois jusqu'à la fin, je ne m'y ferai pas à ces trucs de... Ah là, je vous ai vu maintenant. Hein. Voilà, ça a explosé, mais l'autre, il a rien senti, quoi. Ah. Mais putain, mais ils sentent même pas les balles, quoi. Ouais, c'est sa recherche, alors. Tu vas crever, oui, ou merde? Combien de balles est-ce qu'il te faut? Oh là là! C'est insensé! Et là, lui, il en faut que. Il en faut aucune, pardon. Oh, il lui a fallu 25 000 balles.
Un petit géocache qui va bien. Je me doutais, hein, des petits 5 sur 15, ok. Allez! Oh non, mais c'est pas vrai. Elle est où? Ils sont où? C'est l'exploseur pleine gueule, mais... Ah putain, il y en a encore un là! Très bon Dieu! Oh nom de Dieu, mais c'est pas vrai! Diva là! Allez, mais crève pas, mais c'est pas possible! Bon, fusil à pompe, parce que. Allez, fusil à pompe, ça marche même pas! Aïe, 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 aïe. C'est quoi tout ce bordel? Un petit géocache qui va bien. Là, il y a des munitions et des trucs à cramer, ok. Il n'y a rien en dessous. Aïe. Hop, il y avait un escalier. Il y a un passage par en dessous, ok. Mais d'abord, on va aller voir là-haut. Ah, on trifouille, hein. De l'action, il faut que j'atteigne une. J'ai vu une grande roue là, je sais pas ce que c'est. Je suis plein. Ok, parfait. Il me semble que j'avais vu un truc à cramer là. Ah d'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas tout capté. On crame comment ça? On va les cramer comment Bon, visiblement il y a des trous. Donc il doit y avoir moyen de. Attendez. Ouais, mais. Je vais bien moi, mais les trous ils sont pas en face des machins. Bon. Ouh, secours. Ok. Donc. Là, et normalement il y a. Ah bah non, même pas. Ah ah! Et une petite énigme! Ah, ici je dois en avoir un. Ok, plein de bazar à prendre. Voilà, là on peut déjà en avoir un deuxième. Oui, d'accord, ok, mais... Tac, là, il n'y a rien. Non. C'est un petit peu le bordel, hein.
Ah bon, on va les avoir comme ça. On va récupérer tout ce qu'il y a. Déjà par terre. Plein de petits points de compétences, de matériaux, pardon. L'autre, je ne vais pas la voir par en bas. Non. Faudrait que je l'aille. Ben merde. On va refaire le tour. Mon dieu. Tiens, c'est cool, hein, pour un sac de matériaux. C'est bien joli tout ça, mais. Il faudrait que j'aille par en bas, moi. Et comment je fais pour l'avoir? Le rond, il est là. Il n'y a rien pour se mettre en face. Comment on fait? Oh putain. Ah d'accord, j'ai compris. Je savais pas qu'on pouvait aller ici en fait. Pas un petit géocache là-haut, non? Hein? Il y a une grande roue là. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. Là. S'il n'y a pas un petit géocache caché. Non. Pas de petit géocache caché. Bon, on va aller retourner chercher ce bazar. Par terre. Ah, à chaque fois. Et là, j'ai un peu peur de me tuer bêtement. Je sais pas si. Allez, on se dépêche. Hop. Voilà. Et après, on y va, hein, parce que. On a fait beaucoup, 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 beaucoup de points, là. Allez, hop. C'est reparti, mon kiki. Et on continue ce petit chemin. Je peux pas courir plus vite. Non, c'était ta torche, merci. Ah, c'était ta putain de torche. Voilà. Donc, on va une louper. C'est quoi cette grande roue là? C'est qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Pas de mur invisible. Bon, c'est bien, je dois aller par où? Quoi? En haut, à droite. Remarquez, j'aurai un petit peu de guinée aussi quand même. Hein. Pas un petit feu de camp ou quoi là, que je puisse. Là, il y a une échelle. J'ai pas été voir là. Il y a une échelle ici qui nous permet de monter. Voilà, attendez, je vais aller voir ce qu'il y a ici. Ah d'accord, c'est là que j'étais. Merde. Oh, flûte. Ne dites pas que je vais devoir faire tout le tour, hein. Oh merde, putain de bordel, de putain de bordel, de putain de bordel, de putain de bordel. D'accord. Eh merde. C'est con, hein. En même temps, je fouille, quoi, je regarde. Je regarde partout s'il y a des trucs à faire.
C'est fou le nombre de fois que je refais le même chemin, moi. Moi, j'aimerais quand même bien un petit... Donc là, c'est de là que je viens, donc je vais retourner trois fois. Hé hein. Ouais, j'étais pas là. Là, il y a quelque chose. Pas un petit géocache, rien, non. Rien du tout. D'accord, je pouvais aller par là, mais c'est bien. Excusez-moi. J'ai encore fait une connerie. Bon, allez, allons-y. Allez, hop. C'est quoi cette espèce de moulin mais... Ah, il y a un truc qui est cassé ici. Un truc qui est en larmes. Et deux. Deux alarmes désactivées. C'est bien, je dois aller où? Ah là-bas, je dois aller tout là-bas là-haut. Tout là-bas. Moi je vais bien, mais... Et là-bas, il y a quoi? C'est là d'où je viens, ok. Ah, il y a un feu de camp. Il y a un petit feu de camp. Je veux un feu de camp. Hein? Et j'y vais comment, les enfants? Ah! Mais je voulais pas sauter. Oh là là, mais quelle éconne! Je voulais pas sauter. Tombeau secret tout proche. D'accord, mais j'aimerais bien aller là-bas, moi. C'est possible? Ah, ici il y a déjà un truc à cramer. Non, Ah, allume ta torche. Allez, nom de Dieu. Gidjol. Comme t'es là, t'es ménard. Donc on arrive à petit. Il y avait un feu de camp. Ah, il y a un sanglier aussi. Toi, mon cochon. T'as pas le temps de le prendre, hein. C'est ça. Ouais. Viens ici. On va te dépecer. Le sanglier m'énerve, le sanglier. Mais putain, je suis encore revenu là. Il était où le tombeau bazar là? Il était où mon feu de camp? Oh nom de Dieu! C'est pas par ici. Mais il y avait un feu de camp! Il est où mon feu de camp? Je veux un feu de camp! Il y avait un feu de camp! On va regarder s'il n'y a pas... Non. C'est quoi ça? Ah, un truc caché. Super. 21 janvier. Et on est à... 39 minutes. Mais merde, j'ai vu un feu de camp. Les guerriers du soleil sont de plus en plus nombreux. Et j'ai découvert tout ce dont j'avais besoin pour mettre mes plans à exécution. Il est temps que nous avancions vers le cœur de l'île. Nous construirons notre ville au sommet de la montagne, autour du vieux palais. De là, nous pourrons nous protéger des gardiens Oni, et je pourrai accéder rapidement à tous les secteurs de l'île. Je dois être prêt à capturer quiconque se présentera. Je sais maintenant ce que je cherche.
la clé pour quitter cet endroit. Et peut-être beaucoup plus. Cela me prendra peut-être des années, mais je la trouverai. Mais il est fort patient, parce que le document qu'on a trouvé avant, il datait de 1994. Et ici, le document date de 1997. Donc le mec, ça fait 3 ans qu'il nous parle de cette foutue clé qu'il est en train de chercher. C'est pas mal. Ok, j'aimerais bien le savoir où est le feu de camp. Il y a des trucs à trouver, c'est pas croyable. Aïe, ils sont oubliés derrière moi. Une figurine en jade de la dynastie Ming. Celle-ci a l'air authentique. D'accord, m'en fous. C'est bien, c'est joli. C'est tout ce que tu veux, mais j'aimerais bien. Tu vas me le donner, mon putain de feu de camp. Parce qu'on est à 40 minutes de vidéo, là, j'en peux plus. Bah, enfin. Ah, sanglier stupide. Attendez, je suis le sanglier. On va peut-être pas le suivre sans cet homme non plus, parce que chaque fois il me fait tromper de chemin. Il me renvoie chaque fois où je dois aller, ou plutôt où je dois pas aller. On va par là. Voilà le feu de camp, et avec un tombeau, youpi! C'est pas merveilleux ça, ben, la vidéo, je vais l'intituler La Grande Roue, je sais pas comment on va l'appeler. Et on se retrouvera pour la vidéo suivante. Oups. Pas mal. On va se retrouver pour la vidéo suivante où nous ferons le troisième tombeau caché. Voilà. Wow, j'ai perdu un petit peu de temps parce que j'ai beaucoup fouillé et en même temps j'ai beaucoup passé mon temps à retourner en arrière. Donc la caméra n'a pas glissé, mais j'espère que le truc était pas trop proche, on dit Dieu. Et je vais vous laisser ici parce qu'on est à 43 minutes de vidéo quand même. Ah oui, c'est quand même beaucoup. J'étais pris par le jeu en même temps, tout en fouillant, tout en regardant. Il est assez beau, franchement, il est vraiment prenant quand on joue. Hein. On oublie même la notion du temps, dites donc. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite, donc pour le fameux troisième tombeau qu'on vient de trouver. J'espère que ce ne sera pas une énigme un petit peu trop de l'amour moelle-neux pour trouver la solution. En plus, il est 3h du matin, je commence à être un petit peu fatigué. Je vais quand même essayer de tourner la suivante. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et faites attention quand même, enfin maintenant il fait quand même un peu moins froid, il commence à refaire un petit peu meilleur, il était temps. Ciao ciao! Truc bien merdique. Franchement, ça c'est super mal fait. Mais par rapport au Resident Evil 5, je dirais, il se passe rien, puis vous faites un. Vous tirez un levier, vous poussez un bouton. Et il y a 50 mecs fous furieux qui vous tombent sur la gueule. Ça me gave prodigieusement, je ne vous le cache pas. Et alors, il y a le système de rotation aussi, quand on vise des fois, et qu'il y a des adversaires, tout d'un coup, elles se tournent au ralenti. Il y a sûrement des trucs à trouver. Mais je regarde comment on pourrait passer, je vois un arbre bien spécifique, donc on va aller jeter un petit coup de... On va aller jeter un petit coup d'œil. Grimper sur l'arbre? Non. Merde. Ah bah merde, c'était le bon chemin. Con. Donc, il y a un système de rotation ralenti qui est vraiment très désagréable. Quand elle fait une rotation, c'est un peu chiant. D'accord, heureusement que je viens voir ici.
Et alors, je trouve que sur la résistance des adversaires, quoi, c'est vraiment énervant. Ah, à chaque fois que je cause, il faut qu'il y ait. Et en plus, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, depuis que j'améliore mes armes, j'ai pas vraiment l'impression de sentir une amélioration, quoi, depuis le début du jeu. On ne sent pas vraiment la différence sur les améliorations des armes, et ça, c'est assez bizarre. Il y a un truc pour s'approcher, mais quoi? J'ai entendu gueuler, mais je sais pas où. Hein? Quoi? Que quoi? Ramène tes fesses par ici. Ah, ta gueule! Ça va, ouais? Tu n'as pas l'échelle, là? Allez, grimpe, ma fille! Ah, t'es là, toi! Allez, bouge-toi! Ramène tes fesses par ici! Mais engueule-moi tant qu'il y est, espèce de. Il est génial, ce mec, je l'adore. Il faut qu'on aille aider les autres! Oui, ben ça va, je fouille, nom de Dieu, quel emmerdeur! Je l'adore, mais il m'énerve. Liquide-la! Oh non! Aïe, 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 aïe! Waouh! On se calme. Merde, qu'est-ce que c'est ça? Un document avec. Ma patience est enfin récompensée. Ma troupe de fidèles lieutenants, les exterminateurs, est enfin constituée. Les tempêtes m'ont apporté exactement les hommes qu'il me fallait pour bâtir la confrérie des Solari. Des hommes forts, mais dociles. Ils ont été brisés par les tempêtes. Ils sont affaiblis et vulnérables. Et je leur ai tendu la main. À présent, ils me servent et à travers moi, ils servent la reine solaire. Elle me montre la voie. Elle m'a toujours montré la voie. Je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Et bientôt, ils verront. Elle est partout sur cette île. Mais la confrérie des Solari doit s'agrandir. Nous recruterons autant d'hommes que possible. J'instaurerai des lois et ils travailleront pour la reine solaire pendant que je chercherai la clé. D'accord. Bon, maintenant tu la fermes. Donc je reprends ce que je disais. Et en même temps, donc, le truc qui aussi qui me gêne par rapport à ça, c'est qu'on utilise des flèches ou qu'on utilise des balles de pistolet, c'est le même truc. Vous devez utiliser 4 ou 5 flèches pour tuer quelqu'un et 4 ou 5 balles pour tuer aussi quelqu'un. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Super Beyond 10 pour la suite des aventures de cette pauvre Lara Croft qui s'en prend plein la tronche depuis le début du jeu. Donc on venait de quitter les bidonvilles, pour moi il y a 10 minutes, pour vous il y a peut-être un jour ou deux. Alors j'ai stabilisé ma caméra, heureusement j'ai regardé la vidéo avant, enfin des bouts de vidéo, et heureusement ma caméra n'a glissé que sur la fin. Donc c'est la dernière minute de la vidéo précédente que la caméra a glissé, donc c'est déjà un coup de chance, heureusement. Alors je tenais à dire, voilà, par rapport à ce que je disais, parce qu'en regardant un petit peu la vidéo, je me suis entendu un petit peu rager, comme ça, mais en fait... ce qui m'énerve un petit peu dans ce jeu, c'est de, bon, il y a un côté linéaire forcément, mais ça me fait penser au Resident Evil. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il va quand y avoir des mecs. Bon, on va changer. Et ce qui m'énerve un petit peu dans ce jeu, c'est. Ça me fait penser au Resident Evil 5, quoi. Il se passe rien, puis boum, tout d'un coup, on avance et on tombe sur. Voilà, ça, vous voyez, ça déjà, c'est un truc énervant. Voilà, les bugs de vision à la con. Alors, quand vous êtes en train de vous battre, c'est génial, quoi. Hein, vous voyez, genre, je trouve ça assez mal fait.
qu'une balle fasse le même effet qu'une flèche. Alors évidemment, pour ceux qui maîtrisent l'arc, je me doute que... J'ai quoi comme truc? Ouais, ok. Pour ceux qui maîtrisent l'arc, qui savent faire des tirs à la tête, c'est pas un problème. D'accord. Prends ça, tête de con. J'adore. Grim, c'est le vieux qui fout des coups de boule au poisson, je crois. Attendez, est-ce que... Je me demande si on peut le démolir, ce truc. Non, je crois pas. Dites-moi dans les commentaires si on peut cramer. Vas-y. Allez, m'énerve pas. Bon, ben, j'ai cramé quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Hein, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Merde, je suis plein. Bon, je suppose qu'il va encore y avoir 10 000 mecs, c'est ça? Attendez, parce que je ne comprends pas trop, il y a sûrement un truc à faire, mais je ne sais pas quoi.